contre les Grecs et contre Naples l'ont été sur des coups de pied arrêtés. Valdo au coup franc, c'est long et c'est dégagé par la défense. Guérin, oh c'est juste à côté. Premier tir parisien, donc œuvre d'un milieu de terrain. Vincent Guérin qui joue beaucoup sur le côté gauche. Un des Parisiens. On a cherché la tête de Weah. Et Weah encore qui est dans le gardien Gallier qui parvient à arrêter ce tir de l'avant-centre du Paris Saint-Germain. Ah, pourvu que ce ne soit pas le tournant de cette qualification, car quelle balle de match déjà pour Georges Weah. Du bout du pied, Gali qui a bien... Terne. On a perdu le ballon chez les Napolitains, toujours Weah. Guérin s'était engagé. Oh oui, bon râteau de la part de Weah qui tire du pied gauche. Et Gali accompagne cette balle. Déjà maillot bien taché pour Weah qui est allé au sol plusieurs fois. Il attendait ça, Georges Weah. Il attendait l'attaque de l'Italien pour le placer son dribble. Le PSG se grisait et que les défenseurs montent et prennent des risques. Weah n'est pas hors jeu. Il y a Ginola, il y a Guérin qui va reprise de volée, qui passe juste à côté. Vincent Guérin, magnifique. Regardez Georges Weah, il a vu très très vite et ça c'est sa première arme. Et Guérin avait très bien anticipé sur le centre de Weah, pas grand chose à redire. Carbonnet. Centre de Carbonnet pour Fonseca, déviation de la tête, attention à Francini et dégagement in extremis de Ricardo. Et bien c'était la première phase. Bon contre à jouer. Un bon contre avec Fournier sur le côté là-bas. Au centre, il y a Weah qui passe à côté du ballon. C'est pas terminé, la balle ne va pas sortir. Si, non, elle n'est pas sortie. Ça peut continuer. Oui, oh là là. La part de Ginola et une faute de la part de Carbonnet qui va être sanctionné par un carton jaune que l'arbitre a déjà à la main, ça c'est sûr. C'est la moindre des choses. Là, pour le moment on est sur ce centre de Guérin qui a bien failli offrir une balle de but à Georges Weah. Oh, il n'y avait pas d'enjeu, les Italiens étaient battus sur ce compte, il y avait un 4. Regardez Ginola, il a beaucoup couru, il a récupéré son ballon, talonnade. Et là il voit Carbonnet qui se précipite sur lui. Donc il emmène son ballon, la Carbonnet est archi battue et avec sa jambe droite tacle sur la cuisse de Ginola. Pourquoi ne pas sortir un carton rouge sur ce genre de faute? Dangereux pendant un moment. Rodney s'est placé, Lama, et attention à sa prise de Fonseca qui passe juste à côté. Quelle occasion pour l'Uruguayen. Il faut reprendre le ballon à Paris tout de suite. Regardez Lama qui est, c'est vrai, est au contact de Corradini mais qui n'est pas exceptionnel sur sa prise de balle tout de même. Et oui, il est gêné. Il est, c'est vrai que son bras gauche est touché par Corradini mais c'est vrai aussi qu'il doit savoir ça. Il a pris un but. Herrera, Carreca. Oui, bien le beau geste de Carreca. Fonseca qui va tirer de très loin et ça passe à côté. Difficile pour un attaquant quand on touche. Mais il va obliger le gardien à jouer au pied, Galli. Ouh là là, attention! Guérin qui va centrer. Weah qui est contré. Encore une belle occasion. San Paolo de Fuori Grotta. Ginola. Centre de Ginola. La tête de Weah. Et la parade avec une claquette de Galli. Ah, Weah avait gagné ses deux duels avec Gali au match aller. Gali vient de gagner, et souvenez-vous, il en a gagné un en début de match et il vient d'en gagner un autre là. La tête de Weah est magnifique et l'arrêt de Gali l'est tout autant. Corner maintenant pour PSG. Toujours Fonseca qui est dans les 18 mètres, qui tombe et il n'y a rien. C'est pas laissé abuser, même si Mauro et les siens et Corradini essaient de... demander à l'arbitre une sanction, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Balle en cloche pour Weah, difficile à gérer pour la défense. Et Weah est le premier, mais il y a un retour du terrible Ferrara qui n'a pas pu empêcher Weah d'avancer. Toujours Weah au cul. Pénalty, non. Non, non, non. Il a montré, mais c'était l'angle des 6 mètres. Ah, c'était le jeu de Georges Weah que d'essayer de s'infiltrer.
n'y a pas pénalty, il n'y a pas pénalty. Il y avait un sérieux retour de Corradini. On va pas avoir l'air trop supporter, alors on va pas insister sur cet épisode, mais regardez, regardez comment va arriver Corradini. Ça ressemble quand même à quelque chose. On peut partir. Sassus est parti, Sassus est passé. Sassus va entrer dans les 18 mètres et il se fait reprendre et faucher. Et ce carton-là va valoir cher. Tarantino. Et là, il est d'accord. C'est quand même pas loin non plus du carton rouge car Sassus file au but. Et Daniel Bravo en fera la place de David Ginola. Tarantino, Kripa, contré par Valdo. Encore une bonne balle pour Daniel Bravo qui va tirer. Oh, parade de Galli. Et Corradini, c'est vrai qu'au centre il y avait aussi. Carreca avec Fonseca qui en a 12 mètres qui tire. Oh là là, parade de Lama. Et corner. Et c'est pas loin d'être fini. Et ce sera fini, il n'y aura pas de corner. 0-0, mais le Paris Saint-Germain et le sourire de Lama confirme, se qualifie.